Il est trop bien ce film. Mais elles font quoi les filles? Elles sont vous. Je prendrai bon bain. Est-ce qu'ils sont attendus pour combien de temps? Est-ce que je dois me préparer pour une soirée? Oh, j'en ai pour à peu près une heure trente. What? 1h30 pour te préparer? Mais t'exagères un peu. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Ah oh, bah tu sais, moi je passe toute ma vie dans la salle de bain. C'est l'endroit que je préfère. Je peux pas aller avant toi, s'il te plaît? Moi je serai vraiment en retard sinon pour mon rendez-vous. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une review Shopkins avec le set Happy Places de la salle de bain. Alors ce set inclut Bubble Isha comme personnage, il y a beaucoup de meubles et d'objets. Nous avons un petit artwork sur le côté, très très joli. Sur le côté, un petit peu de texte et des petites fenêtres. Voici l'arrière de la boîte avec pas mal de texte en toutes les langues. Alors j'ai trouvé cette boîte à Toys R Us au prix de 19,99€ il me semble. C'était le moins cher, hein. J'ai cherché un peu partout et dans les autres boutiques c'était 25€. Ah, on a des extensions avec, ça c'est génial. Alors de couleurs encore différentes par rapport à derrière. Là c'est du bleu turquoise. Et on a ici un petit sachet, je pense que c'est le socle. On va voir ça tout de suite. Et voilà, le socle est bien protégé en tout cas. Alors, je vous montre le petit catalogue si ça vous intéresse. Alors, il y a vraiment énormément de choses, comme vous pouvez le voir. Regardez. Déjà, les personnages ici. Donc, moi, j'ai déjà Popette. Il y en a d'autres ici. Alors là, elles sont vraiment top aussi, ces personnages. J'adore la cuisine. Les petits objets Shopkins, édition limitée. Encore d'autres pièces, il y en a tellement des pièces, il y en a tellement des objets, c'est vraiment impressionnant cette collection. Je pense pas que j'arriverai à tout faire. De toute façon, j'aurai pas de place dans les maisons. Alors c'est prévu que j'achète d'autres extensions, d'autres maisons que je vous ferai prochainement en review ainsi que des boosters. Donc si vous aimez les ouvertures de boosters, vous allez être servi. Alors moi malheureusement je vais pas me servir de ces extensions pour aujourd'hui, mais ça va peut-être me servir pour les prochains playsets. Et aujourd'hui nous allons aménager l'étage de la maison. La petite salle de bain, elle est ici. Alors on va aménager ça ensemble. Alors tout d'abord, nous avons une baignoire. Elle est juste sublime je trouve. Ça représente un lapin. Alors cette baignoire est très jolie. Regardez, le robinet bleu, le petit personnage. Ici, c'est ses oreilles du lapin. Voilà. Et ici, il y a sa queue de l'autre côté. Voilà, c'est très original. Alors, si vous aimez les petits visages, vous exposez comme cela. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez exposer comme cela. Vous choisissez. Donc, moi, aujourd'hui, j'expose comme ça. Alors, pour mettre sur la baignoire, regardez. Comme un lave-linge. Vous savez, pour laver le linge, là. Enfin... je sais pas vraiment si c'est ça, mais j'ai l'impression. Toujours la tête de lapin. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et à l'arrière, la queue. Donc ça, vous le mettez de cette manière, je pense. Que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est pour faire bah, du lavage. Si vous n'avez pas de machine à laver, je pense que c'est comme ça. Si je me trompe pas, je pense que c'est ça l'objet. Et il s'agit du pont de baignoire. Ça s'appelle un pont de baignoire. D'accord. Et normalement, vous le mettez... en biais comme ça. Voilà, vous le mettez comme ça. Allez, on continue avec un petit meuble de rangement pour la salle de bain. Toujours dans les tons rose et bleu turquoise. Et c'est toujours le thème du lapin. Alors, ensuite, nous avons un porte-savon de couleur bleue avec du violet et du rose. Ça, je pense que je vais mettre sur le meuble. Alors, on a ici une serviette éponge. Serviette éponge. Donc, pour le bain. Et je trouve que c'est super bien fait, la texture. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une serviette. C'est une vraie serviette. Donc ça, vous pouvez le ranger ici. Hein. C'est sympa comme tout. Alors, ensuite, nous avons un sèche-cheveux. C'est pas mon premier sèche-cheveux. J'en avais déjà eu un.
Je vais vous montrer d'ailleurs. C'était un sèche-cheveux de Cendrillon. Il était tout bleu. Il était très très joli. Donc un dans chaque maison, pourquoi pas. Celui-là, il est plus simple. Enfin, à part là qu'il y a, il y a la tête. Il est tout jaune sinon. Alors ce que j'adore, c'est qu'on peut l'accrocher au meuble. Pratique. Très très pratique. Regardez, un fer à lisser. Non, un fer à friser, j'irais même. Ouais. Voilà, donc super détaillé. Regardez la petite tête, c'est trop mignon. Ça, je vais l'accrocher, je pense, de l'autre côté. Alors n'oubliez pas qu'il y a une étagère dans la salle de bain, donc on va pouvoir la mettre. Alors, on continue avec un petit savon. Alors, le petit savon, il est tout petit, mais il est vraiment trop, trop mignon. Regardez. Voilà, tout rose, les petites oreilles jaunes, toujours le petit lapin. Voilà. Alors moi, je vais le mettre sur le porte-savon. Alors, un spray. Alors, un spray, je pense que c'est peut-être de la laque pour les cheveux, logiquement. Et c'est bien fait, regardez, le bouchon se retire, c'est trop, trop cool. J'adore l'idée. Et du coup, moi, ça, je vais le mettre sur l'étagère. Alors, on continue avec un petit gel douche, moi, je dirais. Ça me fait penser à ça. Tout rose, avec des petites bulles de savon. On aurait dit un petit bébé, en fait. Il y a une tutute. C'est trop mignon. Un autre objet qui peut s'accrocher. Une jolie éponge toute rose. Voilà, toujours en forme de lapin, comme d'habitude, enfin la tête de lapin. Alors ça, où vais-je le mettre? Regardez. Voilà, moi je l'accroche là. Pourquoi pas, hein. Je pense que ça c'est shampoing et après shampoing. Donc le shampoing, donc un peu plus grand, un gros flacon, tout jaune et violet. Et ensuite, l'après shampoing, les mêmes couleurs, sauf que bien entendu c'est plus petit. Moi, ce que je vais faire, je vais les mettre sur l'étagère. Alors regardez-moi le petit visage, les yeux rouges, j'adore la couleur des yeux. Alors sur la tête, elle a une sorte de... Je pense que c'est un shampoing qu'elle se fait, donc elle a des bulles jaunes. Ça fait un petit peu bizarre en fait qu'elle garde le shampoing comme ça. Enfin, ça fait son style. Et même les cheveux, ça fait des petites boucles, c'est très très mignon. J'adore son peignoir, très sympa. Toujours des petites bulles, vous pouvez le retirer et comme d'habitude vous pouvez échanger avec les autres figurines, ce qui est vraiment génial. Et des petits chaussons en forme de bulles, donc ça rappelle encore la salle de bain. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit set salle de bain, moi je le trouve trop trop sympa. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez les vidéos Shopkins. Et surtout, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne pour voir les autres reviews. Il y en a beaucoup et il va y en avoir beaucoup à venir sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut !